Yop, salut. Salut tout le monde. Salut, salut. Alors, re-live sur Godot Engine, donc un petit jeu, découverte un peu de Godot Engine, toujours en cours, avec C Sharp, donc avec langage C Sharp. Non, je vais regarder un petit peu la ligne. Les deux, trois trucs que j'avais sortis. Ah oui, c'est parce que j'ai compilé, j'ai fait un test, j'ai compilé cette version-là sur Mac, d'où les macOS Data Demo, blablabla. Alors, petite évolution de ces derniers temps. Alors, je vais reprendre un petit peu toutes les scènes qui nous intéressent. Bon, là, on a la scène de départ, la start. Bon, avec un splash screen, j'ai pris vraiment un background vraiment au hasard. Donc il faudrait que je fasse aussi un petit background qui corresponde un petit peu au jeu. Pour l'instant, le personnage n'est pas encore défini, quoi, n'est pas définitif, on va dire. Il y a de grandes chances que je passe sur un autre personnage. J'ai récupéré quelques assets. D'ailleurs, j'ai dû les basculer sur mon as. Je l'ai récupéré à l'occasion. Bon, c'est pas vraiment le. Je verrai un petit peu. Je ferai peut-être des tests, des sélections d'assets de personnages. Voir ce que ça peut donner aussi. Parce que c'est vrai que celui que j'ai à l'origine, en fait, n'était pas tellement fait pour évoluer au sol. Tout ce qui est map, tous les assets map. Donc, attendez, on va regarder. Ça ensemble. Tchac. Donc, tous les assets type map, qui sont ici. Tout ça est tiré normalement quoi du même package où on a la petite bestiole ici le joueur quoi le sprite que j'utilise. Mais ouais quoi au niveau du des déplacements je trouve pas ça tip top. Alors, dernier petit. Alors là, ce que j'ai fait sur cette dernière version, j'ai en fait rajouté un petit peu des éléments de décor. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté. Ah oui, j'ai rajouté aussi. Attendez, là, il faut que je sorte de ça, sinon je vais faire n'importe quoi. J'ai rajouté aussi donc dans la map des collision shapes. Ici, donc j'ai fait limite gauche, limite droite. Donc ici, pour éviter que du coup, ils essaient de sauter par-dessus et partir dans le vide. Donc ça, du coup, il n'y a plus de soucis. Le double saut, du coup, même en essayant de faire un double saut, ils n'arrivent pas à passer par-dessus. Donc ça, c'est cool. On voit ici la partie interface, donc GUI, avec ici la vie. Alors, c'est une barre de vie. Voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait éventuellement donner cette barre de vie. Ça sera peut-être pas non plus le choix définitif parce qu'une barre de vie alors déjà là j'ai fait des tests, ça fonctionne et vous verrez tout à l'heure. Ça fonctionne. Mon gamin à midi n'a rien fait de mieux que de passer je sais pas combien de fois une centaine de fois hein, parce que je décrémente à chaque fois de 1 dès qu'on passe. Donc ça aussi c'est une nouveauté sur ici les pics. Donc je gère maintenant les pics. Les spikes. Donc les spikes, je décrémente juste de 1. Donc il s'est amusé à passer une centaine de fois dessus, même plus, parce qu'il a dit, ah regarde papa, je continue à vivre, je suis invincible. Et après du coup on partait dans les moisins. Parce qu'effectivement, j'actualise ici la barre. Je fais diminuer la barre et je fais diminuer aussi du coup le nombre d'HP qui est là. Alors j'ai côté gestion des diamants ici, de la récolte des diamants et de la vie. J'ai un souci parce qu'au lancement, vous verrez tout à l'heure, au lancement, j'ai une décrémentation qui se fait automatiquement des deux.
J'ai pas bien compris pourquoi, parce qu'ils sont censés se déclencher uniquement sur un signal. Donc, à moins que j'ai raté quelque chose au niveau du signal, mais je sais pas pourquoi ça se décrément. Donc, ça, je regarderai, c'est des petits trucs mineurs. Hein. Oh, il est chaud, j'en profite avant qu'il soit complètement froid. Voilà, alors. Du coup, attendez, là je sauvegarde, je sais plus ce que j'ai fait comme modif. Je sauvegarde là. Du coup, si on lance, alors pas à partir depuis le début, ça sert strictement à rien. Je lance à partir de cette scène là, donc du niveau 1. Donc on a bien au début le boot splash. Donc ici, le screen, hein, le boot splash, c'est le même que j'utilise après quand je suis dans la scène start. Donc, sauf que je rajoute le bouton. Donc ici, on a bien notre bonhomme qui est descendu. Et là, effectivement, comme vous pouvez le voir, dès le départ, ils ont reçu un signal. Je ne sais pas pourquoi. Alors, faut que je vois comment est bâti mon truc. Parce que pour le coup, si ça a décrémenté, ça veut dire qu'ils ont, dès l'initialisation, ils ont reçu un signal aussi bien côté collecte j'aime. Que du côté vie. Alors, je sais pas. Et j'ai l'impression que ça fait depuis peu parce que j'ai pas le souvenir que au démarrage ça soit comme ça. Ouais, voilà, je regarderai d'un peu plus près. Donc, voilà. Au niveau du personnage, voilà, ce que je. Alors, il y a toujours un petit bug ici, ça c'est peu importe. Ouais, c'est la démarche que je suis pas. Pff, ouais, c'est vraiment hyper basique. Je trouve pas ça tip top. Donc là, on a bien la collecte qui se fait de. Un peu le double saut qui fonctionne, alors qui est encore un petit peu timide et qui fonctionne quoi, des fois qui peut poser problème. Là, ce que, alors là, quand je passe dessus, pouf, voilà. Alors je peux pas continuer à passer dessus, voler comme ça, vous voyez que ça décrémente. Voilà, mon gamin s'amusait à faire ça tout à l'heure. Alors c'est pas si je fais ça, ça marche pas. Hein. En fait, il faut vraiment que je sorte de la zone et que je re-rentre dedans. Alors ce que je vais voir de faire. Alors, je vais. Comment dire? Déjà, je vais augmenter je vais pas faire de un par un. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Ça va être hyper long. Et je voudrais aussi que quand le personnage arrive là-dessus, qu'il soit un petit peu. Qu'il fasse un bond en fait. Qu'il soit expulsé. Ça veut dire que je vais peut-être devoir faire un. Avoir généré un vecteur et sur une direction quand il saute, je vais voir un petit peu ça. Donc il y a cette partie-là que j'aimerais voir. Je pense que. Alors je vais récupérer tous les assets que j'ai sortis et on va les regarder ensemble. Et j'essaierai de faire un choix qui s'approchera du définitif. En fait, il va falloir que je pense que je fasse un petit peu des tests. Mais. Alors, au niveau d'un personnage qui m'inspire un petit peu plus, parce que ouais là je suis moyen satisfait quoi, en fait du perso là. Alors déjà deux trucs à gérer dans cette première partie. On va aller dans la partie donc G8 dans la scène et on peut même ouvrir le CS. Ou dedans donc on va gérer du coup donc le joueur récupère les gemmes ok j'ai une vie en plus donc ça c'est dans le cas de figure où je dépasse le grant extra life donc si j'ai donc ça on verra ça je le gère pas pour l'instant voilà c'est pas du tout géré donc là bon j'imprime j'affiche mon hurt donc ça je sais que ça marche. Et signal life down, ça j'en ai pas besoin. J'ai fait autrement. Et là par contre, on va faire du moins 10. Voilà, moins 10. Tac, 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 tac. Ok. Alors qu'est-ce. Donc là j'ai du moins 10. J'ai dit que je voulais régler ça, la partie moins 10. Je voudrais régler aussi. Alors si je veux. Tac 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 tac.
Est-ce que du coup, donc ça je vais me sauvegarder. Est-ce que là, donc là c'est mon GUI. Ouais, ici. Donc, tac, tac, tac. Mon interface qui est là. Qu'est-ce que je fais? Ouais, on va pas s'embêter. On va pas s'embêter. Je vais me faire une scène. Je vais créer une nouvelle scène. Nouvelle scène. Ok. Enregistrer la scène sous. Une racine. Oui, bah alors je vais prendre un autre 2D. Qu'est-ce que j'ai pris pour les autres? Pour niveau 1, par exemple. Niveau 1. Un autre 2D? Ouais. Bon. Allez, mettons. Je vais prendre un autre 2D. Est-ce que c'est vraiment. J'ai quoi sinon comme choix? Supprimer le nœud. Interface utilisateur. Qu'est-ce que j'ai là du coup? Change type. Est-ce que j'ai un label? Ouais, j'ai un label. Rich Text Label, non, je pense pas que ce soit celui-là dont j'ai besoin. Et là, Game Over. C'est mon Game Over, ok. Alors, Custom Font. On va du coup prendre ça, dynamique, font. Nouvelle dynamique font, on clique dessus. Du coup dans font, ouais, allez dans font ici, check, je prends celle-là. Je crois que pour voir apparaître le texte, il faut que je commence à diminuer la taille de la police, me semble-t-il. Custom font. Tac, tac, tac. Alors custom font, est-ce que j'ai. Ouais, j'ai une histoire de taille. Alors, tac, voilà. Bon, c'est un petit. Ça, je pense que c'est un petit bug hein, de Godot ou j'imagine. Hein, 80. Qui en fait, vous êtes par défaut, il y a une taille à 16. J'imagine que c'est la taille qui est indiquée ici n'est pas reportée réellement sur l'objet. Et du coup, dès qu'on commence à changer la valeur, pof, la valeur est rafraîchie et on a la police qui apparaît. Tac, tac, tac. Dans le style, est-ce que j'ai moyen? Non, j'ai pas moyen. Je vais mettre allez, 120, soyons fous. Est-ce que c'est là que je peux. Non, c'est pas là. Est-ce que je dois du coup faire un truc de ce style? Bon, là, non. Est-ce que je suis obligé de faire un truc de ce style-là? C'est pas mal. Faut que j'arrive juste à centrer mon. À centrer mon truc. Margin rec. Non, c'est pas là. Redirection, no, hint, non, focus, mouse, size flag, theme, custom style. Non, c'est pas là. Extra spacing, non. Resource, non. Custom color, non. Bah non. Custom constante, non. Mais il me semblait qu'il y avait un truc pour centrer. Ah là là là. Ah oui, aligne, je suis bête. Ok, center. Et puis center aussi, comme ça au moins il n'y aura pas de soucis. Ok, donc là j'ai mon game over. J'ai mon game over. J'ai peut-être un fond. J'ai peut-être mettre un fond. Une image de fond peut-être.
Qu'est-ce que je pourrais mettre comme image de fond? Bon, je mets un fond noir. Comment je peux gérer? Je suis obligé de mettre un nœud, je peux mettre une couleur de. C'est une couleur de défaut du projet, je pense que j'imagine. Ça doit être. Si je la joue, si je joue juste ça. Non, pas contrôle, c'est. Fin. Moi, ouais, je mets game over. Game over. Tac. Et là, on est. Game over comme ça. Alors, c'est un fond. C'est un fond gris. Est-ce que c'est quelque chose qui a trait au projet, cette couleur-là, de background et tout ça? Debug, network, application, configure, config. Run. Mood splash. Ah, background color. Je peux mettre du noir, ouais. Je mets plus, c'est quoi? C'est du noir. Ouais, je suis pas très. Parce que là, j'ai forcément les. En termes d'inspecteur, quoi, de paramètres, de propriétés, j'ai. C'est que des propriétés des objets, en fait. Que les propriétés de l'objet. Bon, c'est pas grave. On va ajouter. C'est forcément un enfant. On bête un peu. Géométrie, on a quoi? Image, pic, color picker, non, container, color picker button, non. Qu'est-ce qu'on a dans les parties contrôle là? Je me rappelle plus le nom que ça, le truc de background là. Référence rect, je crois que c'est un truc comme ça. Nine patch rect. Reference frame for GUI scalable texture based frame tiles texture center and slide but keep the corners original size perfect for panel and dialog box. Ouais. Texture tree vidéo non item list range color rect. Ah ben color rect. Alors, problème là, vu l'arborescence du bazar, va pas le faire. Alors, je vais mettre un node. Je vais mettre un node 2D. Je peux le mettre en premier? Reparent. Ah, je suis obligé d'avoir un système de parents et de machin et de bidule. Attends, si je mets que je mets lui en parent de lui et que je mets lui en parent de lui, ça marche pas? Non? Oh putain, je suis obligé de changer le truc. Ah le bordel. Instancier, développer, réduire, attacher, changer. Ça m'embête, sauvegarder. Je peux faire un contrôle D. Oh là là. Je peux pas faire la racine. Oh la loose. Non, je vais pas copier chemin nul, pardon. Bon, tant pis pour moi. Ça me va bien. Donc, je supprime ça. Ok. Lui, je le change le type. Je le mets en node. En node
2D. Pouk. Voilà. Là, ici, on a le background. On a background ici. Voilà. Qu'on va mettre un background noir, du coup. Ok. Comme ça, histoire que ça couvre tout le... Voilà. Dac. Ici, on va ajouter un enfant qui va être un label. Ce label-là, on va le mettre là. Oh, c'est rigolo. Il faut d'abord que je mette le point d'intérêt au centre. Non, ça marche pas. Mettre du texte d'abord. Game over. Donc on est au centre et au centre. Custom font. Donc font dynamique. On clique dessus. On va dans font. Nouvelle font dynamique font data. On reclique dessus. Font check ouvrir. Ok, on va dans settings, dans la size, on a fait juste un coup. Je mets 120, tac. Et là, si normalement je fais un truc. Ah ouais, non, mais attends, faut d'abord que je fasse ça. C'est chiant. Et comment j'ai fait pour. Ouais, il y a un truc qui m'échappe là sur en haut à gauche, en bas à droite. Ah ouais, donc d'accord, ok. Centre à gauche. Donc ça, ça met. Et comment je déplace? Plugin quoi? Parent Rex Restrict. Comment je déplace ce point de truc là? Non, mais là j'ai fait n'importe quoi. Hop. Sur lui. Non, c'est n'importe quoi. Ouais, non, ça me plaît pas les masses là. Ça me plaît pas les masses. Avec temps complet, c'est quoi ça? Ouais, je sais pas comment déplacer ce truc au milieu là. Le centre de pivot, je sais pas, ou le centre de symétrie, ou... Virer l'objet sélectionné, rendre la section OK, configuration du squelette, non, ça c'est quoi ça? Numéro intelligent, non. Cliquer pour changer le pivot. Super, changer pivot, mais c'est pas ça que je veux faire en fait. Déplacer l'encre. Moi, je peux déplacer l'encre. Ouais, bon. Ok, donc j'ai mon game over ici. J'ai mon game over. Est-ce que du coup je ferai un timer? Timer. Donc j'ai un timer ici. Game over timer. Voilà, on va l'appeler comme ça. What time? C'est en quoi ça? This process mode idle physique processing mode c time process mode. D'accord.
Pause une route. Ok. Donc, je sauvegarde. Choc, choc. Donc, on peut dire ici. Non, on peut dire. Donc là, je suis en game over. On peut dire ici que si ma vie. Si ma vie, si je suis au bout de ma vie, si ma vie est inférieure ou égale à 0, du coup, alors attendez, je vais reprendre l'exemple de ma scène start. Du coup, on va faire ça. Et on va appeler, du coup, la scène game. Over. Hop, ok. Alors là, j'ai fait deux petits trucs. On va voir déjà si ça compile. Donc j'arrive. Alors vous voyez, là j'ai déjà eu le moins 10 qui est arrivé. C'est pas cool. Vraiment, il va falloir que je regarde à quoi ça correspond cette histoire. Parce qu'en plus, j'ai vraiment l'impression que ça le faisait pas avant. Hein. Donc c'est assez récent, donc ok j'ai bien pris mon truc, là il va falloir que je trouve aussi un diamant ou une pièce ou un truc qui bouge parce que ça bouge pas, c'est dégueulasse quoi, ça se confond dans le décor et finalement c'est pas top. D'un point de vue expérience utilisateur c'est pas top. Et là non, si je passe dessus, si je saute, si je passe dessus je devrais en perdre 10% de ma vie. Voilà ok, tac, et arrivé à 0, je devrais avoir la scène game over qui se charge. Ok. Game over. Ok. D'accord. Donc. Voilà. Maintenant. Dans ma partie game over, j'ai un timer. J'ai un timer. J'ai un timer, j'ai un timer. J'ai un timer. Game over CS, ouais. Donc ici, tac tac, on enlève ça. Donc j'ai un timer. J'ai un timer donc qui s'appelle je crois que c'est game over timer. Alors c'est un timer. Mais là il faut pas que je mette le nom là. On va l'appeler comme ça. Ok, game over timer. Private timer, game over timer. Tac. Game over timer est égal à timer get node game over timer. J'ai glissé. Ok. Et alors, ça marchait bien avant, ça, en fait, quand tout était dans la même scène, au même niveau, mais là, ou alors c'est que je gère pas suffisamment bien les paths, les chemins de tous les nœuds et de toutes mes scènes. Donc ça, je pense qu'il va falloir que je m'améliore un petit peu sur ça aussi. Du coup, je crois que c'est un truc du style ça. Du style. Comment je l'ai appelé node? J'ai appelé node 2D? Ah, j'ai plus. Ah non, mais ah oui, non, c'est un ancien contrôle, lui, en fait, il a rien à voir, lui, c'est un node 2D, lui. On va le renommer, on va l'appeler Game Over. Ah merde, je suis en train d'écrire où? Ouf.
On va l'appeler Game Over. J'appuie sur les touches, mais je sais pas ce que j'active ou désactivé. C'est quoi ça? Mode de rotation. Non, c'est bon, je crois que ça va. J'ai pas trop fait de bêtises. Je l'ai sauvegardé. Non, je n'ai pas sauvegardé. Donc du coup, ça doit être du root. Game over. Game over timer, j'imagine. Qu'est-ce qu'il me dit là? Show fix. Game over timer. Timer, get node. Attends, c'est comme ça, tac. Et du coup, et comment ça se passe là? J'ai pas, normalement, j'ai pas besoin de faire de j'ai pas besoin d'utiliser un signal là. Ah, quoique. Quoique, je pense que je vais être obligé d'utiliser un signal qui reçoit le signal du timer. Ouais, je pense que je vais être obligé de passer par un signal. Alors, j'avais fait ça. On va regarder ensemble. J'avais dû faire ça dans Dodge a Creep. A Creeps. J'avais fait ça ici et c'était joueur main, menu, ennemi. Est-ce que c'était dans le menu? Peut-être dans le menu, ouais. Ah, pourquoi il me vend ce Visual Studio? Oh là là. Bref. Bref. Alors, ouverture du fichier CS. Le machin, il doit peser que dalle. Il met 40 ans vraiment au fichier CS. Allez, tu peux le faire. Alors, ouais, j'avais mon bouton, j'avais mon timer. Donc, j'avais déclaré mon timer. Donc, ce que j'ai fait. Donc restart timer, donc ici j'ai fait un restart timer, timer get node, ok, bon c'est ce que j'ai fait, d'accord. J'ai un bouton, bon j'en ai pas besoin. Ok. On start button pressed, donc ça j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Update score, ça j'en ai pas besoin. Et du coup, là, j'avais pas une connexion connect. J'avais pas une connect sur un timeout. Ah si, là. Await. Je me rappelle même plus que j'avais fait un await. Ah ouais. Ah, mais ça c'est encore mieux, ça. Ça c'est encore mieux. Parce que c'est pas, en fait c'est, si c'est un signal, si c'est un signal, vu que j'ai c'est bien un signal que j'aimais, sauf que là je le lance pas, tout signal, en fait il attend que le timer soit, quoi, il attend l'événement pour passer à la suite, ce qui veut dire que c'est cool, parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin à ce niveau là non, à ce niveau là si, attendez,
Oui, voilà. Donc bla 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 bla. Juste regarder un truc là. Je suis dans quoi comme Passing Void. Game Over. On startup button pressed, donc message label.hide, start button.hide, emitted signal, game start. Ok. Bonjour, un emitted signal, game, game over, j'imagine. Mais qui doit être dans, dans le joueur. Dans le joueur, je dois avoir un emitted. Signal hit. Non, c'est pas là que ça m'intéresse. Non, c'est pas là. Ah, sur l'ennemi. Non, non plus, pas sur l'ennemi. Parce que le game over là, où est-ce qu'il y a... Label button connect timer. Où est-ce que je l'ai? Dans le main? Est-ce que j'ai ici... Ah mais j'ai aussi un game over ici. Ah voilà. Joueur.connect hit this name of game over. This. Ah mais je reste ici du coup. This.gameover. Joueur. Ah non, joueur. Donc joueur. Joueur get node joueur. Joueur.connect hit this.name of game over. Donc. Je vais sur le game over qui se trouve ici. Music stop, j'arrête la musique. Death sound.play, je joue le son de la mort. Le son qui correspond à la mort du joueur. Joueur.hide, je cache le joueur. Score timer.stop, j'arrête le timer. Qui correspond au timer du score, hein, comme c'est un point par seconde. Enemy timer.stop, donc j'arrête les ennemis de se balader le long du path. Et clean enemy, il en appelle la méthode clean enemy qui doit tous les supprimer et qui. Voilà, tous les supprimer. Et je fais un menu.gameover, et du coup, je vais chercher mon menu.gameover, donc j'aurai mon menu qui doit être déclaré quelque par là, non? Et je vais dans mon menu.gameover. Menu.gameover ici. Et je joue ce bazar. D'accord, ok. Est-ce que... J'ai pas d'intérêt à... avoir une fonction, non. Non, non, je déclare là l'initialisation du truc, je le déclare. Donc mon game over timer. Du coup, ça marche, je fais comme ça. Le wait est introuvable. Non, c'est pas restart timer. C'est game over timer. Est-ce que c'est parce que je suis en dehors d'une fonction?
Bah non, pourtant il n'y a pas raison. Oui, c'est introuvable, monte-t-il une directive? Je sais une. Ah, faut que ce soit une. Que ce soit synchrone. Et ouais, y a vraiment un truc qui va pas. Et on va faire un start. Bon, il y a réellement un truc qui va pas. Alors, qu'est-ce qui va pas? Plein de trucs. Plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Allez, on commence par où? Par ici. Alors, je suis dans quel gameover.cs, ligne 15. Identificateur attendu. Alors, message jeton non valide dans la déclaration de membre de classe d'enregistrement de structure ou d'interface. Il n'aime pas que je lui mette comme ça directement? Il n'aime pas. Ah, attends. On va faire un truc. On va faire un truc. On va faire un truc. Donc là, tac tac, j'ai ma déclaration. C'est quoi? C'est un public override void. C'est quoi? Underscore process float delta base process delta. Non, on va faire un. On game. Over. Tac tac. Et là, on va faire public ou private? Public? Bon. Public. Ça rend rien. Public void on game over. Tac tac. Stuck, stuck, stuck. Tac tac tac. Non, ça va pas mieux. Ah, async void. C'est un public, un private public, async void. Donc le wait demande un async. Et là, il demande à ce que je sois dans une. Attends, game over. Ouais, alors je suis moyen. Moyen sûr de ce que je fais là, mais ça a pas bugassé. Donc là, je prends mes trucs, hein, tac. Ok, je me suis pris un truc. Aïe, aïe, aïe.
Aïe, 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 aïe. Ok, je m'en game over. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de... Ah mais là je l'appelle à chaque frame. On va jamais s'en sortir. Bah ouais. Je l'appelle à chaque frame, on va jamais s'en sortir. Non, c'est pas ça. C'est là, il faut que je balance le truc. Bah ouais, je suis con. C'est là, c'est dès que j'initialise le bazar. Ça, on s'en fout, quoi. Si, non, là, on s'en fout pas. Là, on peut dire que... On peut dire... game timer point time left c'est quoi c'est une méthode gd point print si c'est une méthode on peut peut-être l'utiliser comme ça au hasard. Au hasard. Non, ben non, on peut pas l'utiliser comme ça. Parce que quoi en fait? Merde, j'ai pas regardé. Il dit quoi lui? Show fix, change time left, hein, get time left. Ah bah oui. Ah, qu'est-ce qui lui plaît pas là? C'est pas le bon format. Is deprecated time left protein state. Ah bah d'accord. Je mets time left, mais il me dit non, non, mais get time left. Puis quand je mets get time left, il me dit oh, c'est déprécié, il faut mettre un. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, ok, donc là j'ai mon bidule. J'ai quoi là? Ouais, ok, donc pour l'instant j'ai rien. Ah oui, je peux pas redimensionner, je suis con. Tac. Donc pour l'instant j'ai rien qui se passe. Ch'tac, ch'tac. Allez. Oui. Je vais me mettre plus de pics comme ça, je vais ouais, plus vite. Ce sera un peu plus dur aussi. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ok. Donc là 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ah putain, mais je suis con. Non, mais il faut pas juste quoi, je suis con. Bah oui. Donc, publication. Alright. Timer. Ok. Donc, en fait, non, le truc, c'est que je. Ouais, bah oui, là. Là, en fait, on fait un. Game over timer point start. Okay. Tout simplement. Alors, game over timer point stop. Ouais, on arrête ici, tant qu'à faire. Et puis, pouf, pouf, on balance l'autre scène. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que là, mon spike, contrôle D, et je vais en mettre un autre. Où c'est que je vais le mettre? Ici. Je vais le mettre là. Où est-ce que je peux en mettre un autre? Tac. Contrôle D, je vais en mettre un là. Juste là. Et voilà. Donc, tac,
Tac, tac. Aïe. Aïe. Ça passe ou pas? Ouais, ça passe, hein. Ouais, ça passe. Aïe. 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 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ok, c'est cool. Donc, ici, je repars là. Je repars ici. C'est nice. Non? Bon, par contre, le timer, c'est un peu trop... Mon timer est un peu trop long. Mon timer est un chouïa trop long. Faut que je regarde l'heure aussi. Okay. Bon, mon timer est un chouïa trop long. Tac tac tac. C'est là que je le règle. Game over timer. C'était soit ouais, c'est 10 secondes. 5 secondes. 5 secondes, allez. 5 secondes, ça le fera. Bien. Ok. Donc, maintenant, on va essayer de comprendre. Ça va être compliqué. Donc, je vais me mettre sur mon GUI, ici. Qui dit que... Bon, tout ça, je vais me le commenter. Merde, j'ai fait une bêtise. Pardon. Hop. Voilà, ça, je me commente toute cette partie-là. Donc, le joueur récupère des gemmes. Blablabla, bla, bla, il récupère des gemmes. Il se fait un point en plus. Alors, voilà. Public void on gem pickup. Donc là, on a la méthode on gem pickup qui est censé normalement se déclencher uniquement ici. Qui est censé se déclencher uniquement donc là j'ai mon null gem pickup, donc mon signal gem pickup. Lorsque ici j'ai ma méthode on enter avec un node, l'autre node, j'ai mis le signal name of gem pickup. Est-ce que ça voudrait dire que j'ai à un endroit un gem qui serait trop bas et qui toucherait déjà un autre. Ouais, mais il disparaît pas. À moins qu'ils disparaissent, mais que je le vois pas. Alors, est-ce que je peux... Est-ce que je peux, donc, sur onEnter, ici, est-ce que je peux récupérer le nom? Rappelez-vous, GUI, ASGUI, j'aime pas comme ça fait là, c'est n'importe quoi. Bref, c'est pas hyper lisible, je trouve que ça fait bourdélique. Private, ça va être un quoi là?
un string. Ouais, donc c'est un string. Ah non, ben non, je peux pas. Non, non, faut que je fasse un autre 2D. C'est un autre 2D de... J'aime... Non, j'aime... J'aime ID. Hein. Aucune... Voilà. Ici, j'aime ID qui est égal à get node. get node. Get node. Est-ce que je peux choper... Où est-ce qu'il y a de j'aime là? En fait, je vous ai chopé son nom. Je veux choper son nom. Je crois que c'est... je l'avais fait, je sais plus où. Le problème, c'est que... Je sais pas, le souci c'est que là, si je le mets là, get node, et que je fais un... Si je fais une note 2D, ça va pas le temps. Il s'appelle note 2D? Non, il s'appelle comment en fait? Il s'appelle... J'aime. Attends. On va faire un gem ID. Gem ID tac de gem. Ouais. Gem est un truc qui n'est pas... Ah oui, attends. Oh. Putain, pourquoi il n'y a rien de... Ça n'a rien de dé. Note 2D. Pourquoi il dit qu'il hérite de... Ah putain, parce qu'il est là mon script. Donc c'est bien Note 2D dont j'ai besoin. C'est lui qui va changer de nom. En fait, je vous explique. Ici, j'ai donc mes instances. Mes instances de mes scènes, ici dans Gem. Voilà, j'ai les instances de mes scènes. Donc là, j'ai ma première instance, ma deuxième instance, ma troisième instance, etc. etc., etc. J'avais pour idée... d'afficher le nom du node, le nom de l'instance qui est qui déclenche le signal. Au moment où le signal en fait est déclenché, je voulais afficher le nom de l'instance pour éventuellement voir. Mais non, 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 non. Attends. Ça doit être lui. C'est forcément lui. Et c'est là où il faut que j'améliore mon truc de collision, c'est que il faut que ça soit une collision avec... Là, il n'y a pas de problème. Là. Il faut que ça soit une collision...
Je suis persuadé que c'est lui là. Je vais virer les merdes que j'ai fait là parce que je suis quasiment persuadé que c'est lui qui pose problème. Tac 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 tac. Ça c'était n'importe quoi. Je crois que j'ai fait que ça. Hein. Pas de bêtises. Je crois. Et je pense que c'est lui qui posait problème. Ouais. Alors il posait problème parce que j'ai pas de condition dans ma détection. Il détecte qu'il y a une collision, mais il sait pas avec qui. Donc il faudrait que j'ajoute la notion de avec qui je me tamponne. Alors par contre, ce qui n'explique pas pourquoi je me prends des dégâts. Ce ne sont pas des dégâts de chute. Pourquoi je me prends des dégâts? Donc on va être dans la même problématique. On est dans la même problématique, ouais, c'est ça. Et je suis étonné que ça le prenne qu'une seule fois. Parce que... Je suis étonné ouais, que ça prenne... Qu'il prenne... Attends, il prend bien qu'un dégât de chute. Ouais, 80, non, 2. Ah, ça veut dire qu'il y a deux trucs qui font la collision. Hein. Oh, c'est nul. Et oui, je suis à 80. Donc ça veut dire qu'il y en a... Deux qui sont en collision avec le bas. Là. Si on peut pas dire avec qui, il me semblait qu'il y a un truc de collision où on pouvait dire avec qui il déclenche les collisions. Il n'y a pas un truc comme ça. Attends, je vais regarder, je vais me mettre dans. J'ouvre le spike là. Il me semblait qu'il y avait un truc. One way collision, non. One way collision active, disabled. Ah, il me semblait qu'on pouvait déterminer avec qui se tamponne le bonhomme là. Alors. C'est à quel endroit que je gère le truc là. Le spike. Spike, spike, spike. Spike CS. Spike CS. Alors, spike. Qu'est-ce qu'il y a comme fixe là. Utiliser. Un corps d'expression pour la méthode. Un corps d'expression pour la méthode, c'est quoi ça? Ah, comme ça? Non, ouais, non, je préfère comme ça. Donc, on hunter. Ok, on hunter. On hunter. C'est quoi là? Donc, node are building that can be assigned. As the child of another node results of the tree. Ah tiens, je peux pas. Je fais un GD print. Ah, j'ai des points print. Je sais pas pourquoi ce que j'ai à écrire. J'ai des points print. Node. Point. Name. Ça existe? Non. Notification. Node point point point. Ah non mais c'est other point name. Ça marche? Est-ce que ça marche ça? Ça marche, c'est cool. Hein. C'est-à-dire que je devrais avoir deux noms qui apparaissent. Oh, ok. Impossible d'utiliser un membre node.name ne pouvant pas être appelé comme une méthode. Ah, c'est pas une méthode. Autant pour moi, ce n'est pas une méthode. Tout n'est pas méthode, monsieur. Il y a des propriétés et des paramètres aussi.
Et du coup, ça va mieux. Alors là, qu'est-ce que j'ai quoi? Map, map. Ah. Ah, bah ouais. Ah ouais. Ouais, ça me va. Hein. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Parce que du coup. Du coup, je peux lui dire que. If other dot name attends. En toute logique, je devrais avoir player alors. Ou joueur. Ou joueur. C'est pas là, c'est pas là, c'est là. Tac, joueur, ok. Donc joueur, ok. Donc if other name, other.name, qu'est-ce qui va pas? Impossible de convertir une application de type string en bool. Attends, j'ai pas fini, putain. Est égal à tech joueur. Tech. Tech. D'accord? Si, si. Other qui est donc l'objet avec lequel je rentre en collision. Si le nom de cet objet est joueur, à ce moment-là, j'émets le signal take damage. Donc là, en toute logique, ça marche. Ok. Donc on va appliquer le même système. Sur le spike ici, non, attends, je prends là. On va appliquer le même système toc sur les gemmes. Tac 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 tac. Donc on va appliquer le même système ici, tac tac. Et là ici, je touque, voilà. Emit signal name of gem pickup et on les lâche. Sinon, on fait rien du tout. Ok. Donc là, on a le même principe. Alors, je peux même m'amuser à faire ça. Hein. Voilà, hop. Là, en toute logique, si je balance le truc, je ne devrais pas avoir de truc là-haut. D'accord. Et là, tac. Tac. Oula. Raté. Tac. C'est chaud là. Hop là, ça passe. Hop, ah, j'ai touché. J'ai pas touché, c'est bon. Bon, il y a ça aussi, ouais. Hop là, tac. Alors. Hop. Oui, le double saut marche pas quand on est comme ça en fait. C'est fait avec. On va dire. Alors ça, putain, ça a tendance à me gonfler quand j'arrive au bord. Pourquoi est-ce que mon double saut ne marche pas? Pour ça, il faudrait que je réactive mes j'afficher les... En fait, j'utilise une variable pour le double saut. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. J'utilise une variable en fait où je compte le nombre de sauts. Donc là, quand je suis au sol, j'ai mon compteur qui est réinitialisé à 2. Quand je saute, je suis en l'air. J'enlève 1. Ce qui fait que quand je suis en l'air et que je fais à nouveau un saut, quand je suis en l'air et que je fais à nouveau un saut, je vérifie qu'il me reste encore le crédit, que ma variable est supérieure à 0. Et du coup, je peux encore faire un saut. Et une fois que j'ai fait ce deuxième saut, donc
le double saut. Quand je suis en l'air, je fais mon deuxième saut. À ce moment-là, je mets à 0 et je ne peux plus faire d'autres sauts. Voilà, je m'en limite à 2. Et je suis censé réinitialiser dès que je touche le sol. Pac. Le truc, c'est que je sais pas pourquoi, mais quand j'approche du bord, ici, j'ai l'impression que je suis pas dans une condition, quoi, ma condition de toucher le sol, d'être en collision avec le sol, avec la map. D'ailleurs, ouais, ça, je pourrais peut-être utiliser ça. Ça réinitialise bien mon truc, ce qui fait qu'il faut que je saute vachement bien à l'avance. Alors là, voilà, comme vous pouvez le voir, là, j'ai géré le fait de ne pas pouvoir dépasser, hein, donc ça, on l'avait vu tout à l'heure. J'ai un score de 14, je crois que j'en ai un que j'ai pas pris. Ouais, c'est celui qui est là-bas. Donc là, on va voir que pouf, allez, je me suis enlevé de la vie. Pouf, aïe, il m'a fait mal. Là, tac, tac, hop. Alors, je pourrais dire aussi, effectivement, quand j'arrive à 15, quand j'arrive à 15, je peux que je change de niveau. Pour dire ça. Maintenant, j'aimerais bien introduire une notion, pardon, une notion de collecte d'objets de clés. L'idée, ce serait d'avoir, comme dans les, pardon, dans les assets que j'ai dans la partie map. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, on va pouvoir peut-être la matérialiser. Hein, d'ailleurs, cette bidule là. Si on se met dans la partie map, j'ai un asset ici qui doit correspondre à une porte avec une serrure. Donc là, j'ai les clés, oui. Clés de couleur. En plus, je dois avoir, ben, comme, genre du rouge, du vert et du bleu. Hein. Même peut-être du jaune, du vert, oui. Tac, tac. Voilà, donc là j'ai des serrures comme ça, éventuellement pour des coffres, pour ouvrir des coffres. Et j'ai des portes comme ça. Alors j'ai des portes sans serrure et je dois avoir des portes avec serrure. Ouais, voilà. Portes avec serrure. Il n'y a pas des murs? Bon, il y a des interrupteurs, des boutons, des switches. Il y a des barrières, des échelles aussi. Un truc avec serrure. Alors il y a aussi, voilà, la forme. Le puzzle, donc il y a les fameux pics. Alors les pics, je pourrais presque faire les animés, hein, ces pics. Hein. Ça sort, tac, tac, tac. Le problème, c'est qu'il n'y a pas. Il faudrait un truc intermédiaire en fait. Il y a l'histoire des boutons, ouais, qui s'enfoncent dès qu'on passe dessus. Ça pourrait être sympa, ça aussi, d'utiliser. Les switches là. Switch position, donc à gauche, au milieu, à droite. Donc il y a les flèches, les trucs. Non, mais en fait les portes, ça devait être ce qu'il y avait au-dessus. C'est pas tip top comme truc, mais soit. Donc le drapeau qui doit servir pour les checkpoints, j'imagine. Donc on a dit que la porte c'était ça. Ouais. Alors mettons ça. On se met une porte ici. J'ai pas le dessus. Ah si, voilà, comme ça. Hop là. Ouais, ça fait laid, hein. C'est pas très chouette, hein, je trouve. Vu la taille du bonhomme, ouais, c'est pas très. C'est pas tip top, je trouve. C'est pas tip top. Ouais, je trouve pas ça très. On aurait pu faire une demi-hauteur là, c'est con qu'il s'est fait jusqu'à la hauteur jusqu'en haut là. On n'a pas un truc de demi-hauteur? Non, il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas. Ouais, c'est pas. La porte, quoi, ça fait trop grand, j'aime pas. Bon. On peut peut-être, pour un premier temps, oublier l'histoire de la clé. On se fait la porte. Ok. On va dire que. Mercredi, j'ai cassé le truc. Punaise. Il faut que je remette là. J'ai cassé ma plante. Non, ça c'est des tuyaux, pas une déchirure. Si, ça marche? Oh, ça marche. C'est un tuyau, je crois, mais.
Alors, voilà, c'est ça. En fait, faut cliquer sur le bouton du milieu pour déplacer, hein. Est-ce que je vais peut-être faire une plateforme ici. Donc, je vais faire une plateforme là-haut, peut-être. Bon, on peut essayer, hein. Je vais me faire une plateforme. Ah, attendez, à ce moment-là, on va dire qu'on la met là. Une plateforme. Check. On va mettre une plateforme ici. Donc, une plateforme. On va prendre les assets qu'il faut. Tac. Tac. Ah non, mais il faut une plateforme. Ouais. Comme ça. Tac. Et suspendu en l'air comme ça. Tac. Ok. Donc là, on pourrait dire que. On spawn de là. On arrive de là. Tac. Du coup, là, même avec un double saut, je suis pas sûr qu'on y arrive. Peut-être si, bref, peu importe. On arrive de là. On descend, on récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Blablabla. On fait attention au pic. On peut même. Ouais, on fait attention au pic. Hein, s'il n'y a rien de bien méchant. Tac-tac. Ok. Pardon. On récupère tous nos trucs et on pourrait dire, mais je sais pas à quel moment on pourrait dire ça. Dans le niveau, hein, j'imagine qu'on peut le gérer. Non, non, c'est pas dans le niveau que je gère. Il faut que j'ai un système de signal du coup. Du coup. On pourrait dire que ici. Ah ouais, mais non. Faut que ce soit un sprite alors. Je pense, parce que je peux sur la map, je peux pas intervenir comme ça sur un. Je pense pas pouvoir intervenir sur un objet comme ça. À moins que j'arrive à choper. Moi j'arrive à choper. Alors, attendez. Ici, j'ai fait mon test avec mon spike. Non, c'était gemme. Ouais, avec le gemme. Non. C'est quoi? C'est le spike où je fais un GT print? Ouais. Donc là, je faisais GT print de other. Donc avec qui on rentrait en collision? Avec qui on rentrait en collision? Et du coup. Ça me disait que c'était mon map. Vais ouvrir mon niveau. Niveau 1 CS. Ok. Si je fais. Ah, si je fais un private. Map. Non, 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 non. Map. Putain, pardon. Map. Je peux pas faire map? Non, ça existe pas map. Pourtant, il me semble que c'était le nom du node. Tile map. Tile til til map. Ok. Le map, ça va pas être un mot-clé. Allez, on va dire que non. Map, ok. Donc on dit que map c'est égal à til map get node get node map je crois. Non là faut mettre quoi du coup? Map. Semblait comme était le nom du. Je mets mon point virgule. String node path from. Alors c'est map. Alors c'est map. C'est le string from. C'est le node path. Ça doit être map alors.
coup, qu'est-ce, à quoi j'ai accès si je fais mon map point name map point get 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 cell point get.cell.name, il y aura un nom de la cell. Point getName. Ça existe. Ça existe. GD.print. Est-ce que ça existe ça? Alors il va me dire quoi là? Alors, return the till index of the given cell. If no till exists in the cell return, till map int int. Ah ouais, d'accord. Non mais en plus je suis con. Là. Je... je sais pas en fait lequel de quoi on parle. Là, je suis con. Bah oui. Où j'indique une coordonnée. Là. Donc c'est pas get cell, non, non. Ça, c'est bidon, ça, c'est nul ce que je fais là. Tac. Get quoi? Donc on a get. Get canvas. Get canvas item. Ça fait quoi ça? Return the canvas item RID used by Visual Server for this item. Ref angle 2 child count. Ouais, mais ça c'est plus côté Non, je vais m'emmerder. Parce qu'il n'y a pas de système de collision. Ah, collision masque. Ah, moi, je vais mettre une collision à la porte. Qu'est-ce qu'on a comme type de collision? Collision masque. Collision masque bit. Collision layer. Collision bounce. Ah, moi que je mette une collision à la porte. Ça devrait pas poser de problème. Faut compiler. On va quand même regarder. Hein. Donc là j'ai bien, j'attaque bien ici. Blablabla. Je peux pas m'échapper, je peux revenir là, je peux hop là, descendre là, donc là faudrait mettre des pics, tiens, il y a ce truc qui déconne, pourquoi ça déconne là? Hop, 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 donc là, hop là, je suis caché. du coup, donc là... là il faudrait que j'ai un système de collision. Alors qu'est-ce que j'ai comme dans mon map ici? Comment ça marche? Là après je crois qu'il faut que je clique dessus là. On a les collisions qui sont là. Voilà, tac 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 tac, collide. C'est quoi ça? Créer un nouveau rectangle. Ouais, c'est pour les collisions. Donc, il y en a quoi en option de collision, du coup? Selected collision, ça veut dire quoi ça? Select collision one way. Select collision one way margin. Till script.
Ah oui, mais dernièrement, je trouvais pas en fait là. Ok, elle doit être par là. La porte, c'est celle-là, d'accord. Ouais, je trouve que c'est nul ça. Ils auraient pu faire l'arrondi là. Dommage. Sinon, ça fait trop grosse porte. Donc. Donc. Sur celle-là plutôt. Bah, c'est pour les deux en fait. Je jouerais pas plutôt ça avec un sprite. En fait, l'idée, c'est de d'avoir une porte. D'avoir une porte rouge au départ. Une fois que j'ai collecter tous les diamants du niveau, la porte passe en vert et je peux accéder à la sortie. Voilà, c'est un peu le principe du voilà, c'est le principe du truc. Non, je vais pas utiliser le sprite parce que le sprite je peux pas le placer comme il faut, ça va pas me plaire. Il faut que j'utilise ça. Mais par contre, est-ce que je suis capable de changer sur ma map? Est-ce que je suis capable de changer le type d'objet? Que je suis capable de faire ça. Déjà, je vais faire une collision. Alors, je vais mettre une collision. Sur rectangle, on sait c'est comme ça. Tac. Collision rectangle. Tac. Voilà. Selected. Qu'est-ce que j'ai comme info là? Selected. Normal map, c'est quoi ça? Animate texture. Modulate, je sais pas ce que c'est. Till modulate. Atlas till. Z-index, ouais, ok. Selected collision one way. Selected collision. Bon, du coup, eux, ils sont maintenant en selected collision. Alors, je vais. Du coup. Attends, faut que je me remette ici en map. Je vais supprimer ça. Je vais mettre la porte rouge. Je vais mettre la porte rouge. Comment? Ah, c'est comme ça que j'arriverai à la 13. Vais noter. Tac. 13, 13, 13, 13. 13,7. Non, non. Ah ouais. Ça pourrait être cool du coup. Si. Alors, on va essayer un truc. Quand je vais faire quoi? À quel moment? Donc ici. Donc dans mon script. Donc là j'ai mon score, blabla. Je récupère une gemme, count machin, j'imprime mon score, ça, à la limite, on s'en fiche, on n'en a pas besoin. Score label.txt égale gemme count toString, ok. If gemme count supérieur ou égal à gemme target. Ah, c'est pour l'extra life.
Donc attends, ça on va mettre un petit commentaire ici. Goal pour une vie supplémentaire. Ok, tac tac tac. Donc on va dans la méthode ici. Tac. Sinon, si pas sinon, if j'aime count. If j'aime count. Est-ce que je peux savoir dans mon nœud que je n'ai pas là, dans mon nœud, j'aime. Alors je l'ai ici, mais je l'ai pas. J'ai pas dû. Ah si, j'aime. James, j'ai appelé James. James. James, donc James. Tac, ok. Ah, c'est James. Ici, James. Tac. Tac. Est-ce que là, en ciblant donc le node 2D, qui est censé être un node 2D. The James, c'est bon. Hein. Il me veut quoi lui? Le nom de type de nom James est introuvable. Manquer une directive. Est-ce qu'il manque une directive? Non. Ah non, mais je suis con. Ça va être là. Et pourquoi il veut pas, lui? Bref, on va voir ça. Mais à mon avis, ça va pas compliquer. Donc, j'aime ça, ok. Là-bas, je suis où? Ouais, j'aime count c'est égal à donc j'aime point pour rien du tout parce qu'il reconnaît pas le border, il reconnaît pas le truc. C'est pas le sujet du truc. C'est pas le sujet du truc. Pourquoi là il veut pas? Pourquoi là il veut pas? J'en sais rien. Pour l'instant, on commande cette partie. Et du coup, ici. Donc non, c'est pas là. C'est ici. T'es gars là. Donc je crois que c'est 15. Hein. Ouais. On va le faire à la mano. On va faire de façon manuelle. Manuel. If j'aime count est égal à 15, donc il y en a bien 15, hein, ouais, donc égal à 15. Il faudrait que je récupère du coup mon tilmap private tilmap qu'on va appeler vulgairement map. Voilà, je toque. Donc ici, on va faire, donc ma map, elle est où? Elle va être à ce niveau. À ce niveau-là. Niveau. Donc, elle va être à map est égal à tilmap get node. Route. Niveau slash map. Ok. Et là, on peut faire map.
point set cell. Ouais. Int til boule. Please. Alors set the til index for the cell given. Ah. The til can also be flipped, transposed, or given auto til coordinate. The til coordinate to the column and row of the subtitle. Note, data such a navigation polygon and collision shape are not immediately updated for performance reason. Ah. Ah. Alors juste... Ouais, c'est 1h38 de live. Alors, map.set... Alors c'est peut-être pas un map.set... ça me plaisait bien pourtant ça. .set... set quoi? Set... set cell... set... non, pas collision... set... set file name, set global, set mask material, material, non, message, mode, non, name, network master, physics process position, rotation, script till. Still set. Quoi ça? Attendu. Ouais non mais d'accord mais ça fait quoi en fait? Set still set. Alors, seule initiation, un appel, une incrémentation, des expressions d'objets await et new peuvent être utilisé comme instruction. Non mais set. Je peux pas. Assign a new value to the given property. Ouais. If the property does not exist, nothing will happen. Alors, non, c'est pas ça, set cell. Mais pourquoi j'ai pas de truc là? Cette collision, ça là. Attends, set ZNS, set visible, cell till set. Et ça, pourquoi j'ai pas plus d'infos sur set till set? Alors regardez, stock. Stock. Godo. Doc set till set. Non, c'est pas ça. Til 7. Peut-être ouais, mais j'aurais bien, c'est un 7 que j'aurais bien aimé. Pas 7, c'est 7. C'est pareil, hein. Til. 7, til. 7, til 7. Là je fais quoi là? Tilset. Tilmap.tilsana tilset. Tilset. Oh. Profond ça. Euh.
7, til 7. Til 7. La test documentation. Voilà, c'est 7 til 7, c'est pas pareil là. Alors, get, 7, 7, 7, 7, 7. Super. T7 shape, T7. T7 shape région, T7. Attends, c'est pas possible. Oh, coucou. Non, t'as rien là-dessus. Ah oui, d'accord. Attends, je suis peut-être pas dans la bonne version là. Nothing. 7 till 7 till 7. Ok. C'est till map 7 till. Canvas node object. Add a new till map node. No. Till map read. Till map. Set cell peut-être. Set cell. Attends, si je mets que cette cell. Peut-être. Non. Ah! Ah ok, bah carrément. Cette cell, il connaît pas. Mais cette underscore cell. Ah ouais, il connaît. Missel stupid, set error. Get. Set cell, alors, set the till index for the cell given by a vector. Get used right. Return a rectangle enclosing the used non-empty till of map. Get used by ID. Return an array of all cells. Merci Keox, merci pour le follow. Excuse-moi, j'ai juste eu le temps de te voir comme j'ai pas le retour du son. Merci pour le follow. Merci, ça fait plaisir. Alors, get used cell by ID, return an array of all cell with a given till index specified. Alors, où est-ce que tu les chopes? Pardon, j'ai fait tout bouger là. Où est-ce qu'on peut choper éventuellement dans la map? Parce que ça, c'est les coordonnées. Ok, ça c'est une chose. Mais attends, qu'est-ce que. Oui, alors, donc là quand je clique le lock, til 7, ouais. C'est coordonné, mais quand je suis là,
Est-ce qu'ils ont aussi des coordonnées là, des index? Pas. Index, non, ça n'a rien à voir. Je pense pas hein, qu'ils aient des index ou qu'on puisse les Ah, nom des tuiles? Maintenez Alt en français. Ah non, mais ouais, mais comme c'est une c'est un atlas de tuiles comme c'est un atlas de tuiles, comment je pourrais mode région occlusion école. Ouais, j'ai pas vraiment, je trouve pas vraiment ce que je veux là avec mes get used cell by ID, get used cell, return vector 2 array with the position of all cells contain a till from the till set. Get collision mask bit. Non, ça m'intéresse. Pas, du moins je crois. Get cell V vector to position. Return the till index of the cell given by a vector. If no till exists in the cell, return invalid cell. Get cell. Alors, return the index of the. Alors, on va essayer ça. On va juste faire un get cell pour voir ce que ça peut. Parce que ça peut nous retourner cette histoire. Donc si j'arrive à 15, blablabla. Est-ce que je vais attendre là pour faire le truc là? Non, là je. La porte rouge. Et par la porte verte. Ok, tac. Alors avant d'aller plus loin, je regarde ce que j'ai fait, si ça n'a pas tout cassé. Ça m'arrangerait. Ok, donc là, tac, 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 tac. D'accord. Et là, pouf, je perds de la vie. Ok. Donc, j'aimerais. Je peux le faire ici, hein, j'en fiche. Hein. Je peux le faire ici à chaque fois que je prends une bidule. On va dire que map.getCell. Et du coup, on a dit que c'était en 13,7. Alors, on va faire un gd.print. Qu'est-ce que j'ai fait qui me carré qui veut pas là? Il veut pas. Bruit veut pas lui. Qu'est-ce qu'il a? Get cell. Show fix. Introduire un élément local pour GP. Non mais sans déconner quoi. Moi qui me demande ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ok, ça, donc. On va décaler le truc là. À chaque fois que je devrais prendre un. Ah, je l'ai raté celui-là. Zéro. Bah, c'est nul. Ok, donc là, du coup, ouais, comme c'est. J'ai eu une collision. D'accord. Mais pourquoi il met zéro ce con? Il me retourne quoi en fait? C'est quoi ce get cell en fait? Return the till index
of the given cell. Ah, mais est-ce que ça marche avec le la classe bordel là? Ah, punaise. Donc map point ah non mais là il va pas vouloir map point oups pardon point Il y a quoi en mode? Moduleur mode. Alors, the tilmap orientation mode. See tilmap mode enum for possible value. Get pose mode. Set pose mode. Move child. Set modulate. C'est quoi ça? Ah non, je peux pas voir ce que c'est. The color applied to the texture on this canvas item. This is not inherited by children. Canvas item. Et canvas, ça fait quoi? Il y a cette canvas. Angle to, ça fait quoi ça? Get angle to, get canvas item, item. Ouais, et alors ça marche comment ça? Get canvas item. Ouais, non, je suis pas. Get sen, get sen, get sen. Alors, si je fais set cell. Alors, 13,7. Virgule int till on met 10 on fout virgule boolean flip y 0 virgule 0 transpose 0 en même temps si je mets que ça if nul, si je fais que ça, Dieu, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait? Oh zut, j'ai pas. Qu'est-ce que ça fait en fait cette histoire? Ok, bon, j'ai fait du caca. Alors, conversion impossible de int en boule A. Ah, il voulait vraiment des. False. Ça va mieux comme ça. Ah, attends. Il y a trois false là. On va dire que c'est bon. Hein. Donc, tac, je vais juste un petit peu mettre. Ah, je vais. Ouais, normalement j'imprime rien quand j'affiche rien. Par contre, je vois la porte. Alors. À mon avis. À mon avis, si je veux que ça marche, je pense que je suis obligé d'avoir un tilmap
Ah non, attends. Si je fais map, ok. Je fais tilset, ok. Là, c'est quoi là? Ajouter les textures au tilset. Et depuis la scène, fusionner depuis la scène, non, on fiche. Tilset. C'est quoi ça? C'est 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, c'est pas bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est vert ou c'est vide? Non, si je mets 9, ça fait quoi? Là, c'est de la pure spéculation, hein, ce que je fais. J'en sais rien en fait de ce que je fais là. J'en sais rien de rien de ce que je suis en train de faire là. C'est purement spéculatoire cette histoire là. Merde. Bon, quoi qu'il en soit, alors moi je pense. Est-ce que je peux faire un... Alors si je mets 0. Si je mets 0. Attends. Non, on va arrêter ça. Je pense ici, on va mettre 0. Si je mets 0, il va rien se passer. Rien va changer. Du moins, je crois. Ah, tu joues 2. Ouais. J'ai F5. Voilà. Ah, je couche tombe là. Voilà. 0. Parce que ça doit être le premier de notre tilset. Alors, ça va être le premier. Le premier. Ouais. Attends, putain, je sais jamais. Oui. Bon, là, et ouais, c'est le premier. C'est parce que c'est le premier qui m'affiche celui-là. Donc pour lui. Comme c'est un atlas, il faudrait en fait que j'ai ici. Pas un atlas. Mais que j'ai un tilde. Ça, c'est le 0 en fait. Plus doit être le tilde 0. Le tilde sheet 0. Si j'en mets un, faut que je mette. Ça ferait 1. Donc, si j'en rajoute un. Que je prends. Ah non, c'est pas du brown, c'est pas du teal. Others. On prend le vert, on l'ouvre. Donc là, j'imagine que ça c'est mon teal 1. J'imagine que c'est mon teal 1. Et de ce fait. Si je fais ça, je devrais en toute logique, ou pas, dès que je chope un diamant, ça devrait me basculer la porte verte. Pas du tout. Pas du tout. Du tout, du tout.
Bon, ça marche. Pas du tout, mais alors du tout, du tout. Tilt 7. Il s'est passé quoi là? Ça me l'a pas appris? Ah, attends, attends, attends. Tac, tac, je reviens, il n'y a plus rien, c'est ça? C'est pas ce que je fais pour Nawak? Ouais, alors ok. Tac, nouveau simple tool. J'ai fait quoi comme quoi? Ajouter des textures en T7. Depuis la scène fusionnée. Ou tuiles ou tuiles. Tout tuile ou tuile. On ne dit pas que j'ai perdu tout mes. Dit pas que j'ai perdu mes trucs, hein, sinon ça va pas le faire. Hein. Je comprends pas ce que je fais en fait là. Mode occlusion, navigation. C'est quoi ce mode navigation? Priorité. Icône. Z-index. Conclusion, 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 qu'est-ce que c'est? Alors, bon, bah du coup, non, ça marche pas, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi ici je peux pas ajouter. Je fais elle, mais elle. Ouais, simple tuile. Et on veut pas en fait, hein. Bon, attends,
Oh putain. Là, du coup. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu là, je fais n'importe quoi. Allez, venez rétro. Ah, tiens. Ah oui, mais non. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai foutu. J'ai tout pété, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Faut pas que je sauvegarde. Ne pas enregistrer. Ah, oh, punaise, ça m'a enregistré. Non, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain, non, j'ai fait une connerie. Fiche-moi la grille, au secours. Voilà, check. Hop là, comme ça. Collision, ils sont là, blabla. Ok. Lui là, lui. Région, tac, tac. Ok. Collision, pas de collision. Ok. Donc, ok, donc là, je stack. Là, si je fais ça. Rien cassé, hein. Mais d'accord. Oh putain. Pardon. Je l'ai pas eu, hein. Je vais le refaire. Je vais le refaire. Alors là, là ouais, là c'est un petit caca, ça m'énerve. Vous voyez la porte elle est rouge là. On est d'accord. La porte elle est rouge. Elle est verte. Et en plus, je me dis si je peux aller dessus. Ok, donc on va donc dire ici que pourquoi il m'en veut lui? Il m'en veut pas. Donc on enverse ça, tac tac. Ok. Extra life, ok. J'aime quand machin, donc c'est pas ça qui m'intéresse. Attends, c'était où que ça m'intéressait là? Ah ok, if gem count, tac 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 tac, hop. Donc ici, tous les gemmes. Donc le joueur a récupéré tous les gemmes. Tac. Donc, si le joueur a récupéré tous les gemmes, la porte rouge est remplacée par la porte verte. Alors ici, sachant que là c'est les coordonnées de du téléset. Et là c'est l'ID. Donc effectivement, alors, j'ai pas encore trouvé si on pouvait ou pas. Mais du coup ici c'est donc le donc toujours le système de tableau, hein, 0, 0 c'est le premier, 1 c'est le deuxième,
Donc là, j'ai créé donc un deuxième tilset simple avec uniquement la porte verte dedans et je la substitue dans mon dans ma map. C'est cool. Donc là, en toute logique, si je chope les 15 gemmes, je devrais, je dis bien je devrais, ouvrir la porte. Alors, je vais me laisser la gemme qui est juste devant. Voilà. Hop là, hop. Donc je vais me laisser la gemme qui est juste devant. Tac, tac. Oh là. Oh la loose. Ok, donc là je me suis laissé la gemme qui est juste devant, donc on devrait pouvoir... Yes, tac, et là du coup je peux passer. Avant elle était rouge, donc du coup je pouvais pas me passer, j'étais en... j'avais un système de collision, et là du coup je peux passer, choc. Et du coup je pourrais afficher à ce moment-là... À ce moment-là on fait une pause. Est-ce qu'on peut faire une pause dans le jeu? Oui, on peut faire une pause, j'imagine. Et je peux afficher du coup quelque chose qui serait dans le guet ici. Box container, non. Mais un style, un label. Donc un label. Tac. Qui serait, il est où? Label sur lequel il est marqué. Niveau ouais j'ai pas l'accent je sais quoi c'est alt 144 ah ça marche pas ah c'est alt gr 144 non plus ça marche pas c'est quoi c'est tac tac non bon le alt gr marche pas niveau terminé, j'en sais rien moi. Attendez. Qu'est-ce que je peux faire comme ça? Attendez si on va pas se laisser abattre. Hein. Online uppercase. Et vice versa j'imagine, non? Faut quoi, il faut pas se laisser abattre. Faut pas se laisser abattre. Maintenant, je suis pas sûr que la police soit accepte les accents. On va voir ça tout de suite. Tac, dynamique. La police, on prend celle-là. Ouvrir. Il faut que j'aille dans le site. Things, on va mettre du coup 40. Ouais, on peut zoomer. Je peux pas déplacer. Pourquoi je peux pas déplacer? Ici, hop là. Tac. Ben on va centrer. C'est tout là-haut. Center. Middle, center, center. Je peux même mettre plus que. Il faut y en mettre 80, hein. On doit doubler. Wow! Ok. Tac. Je vois. Mieux.
Niveau terminé. On va l'appeler comment lui? End. End level. On va l'appeler end level. Ok. Et on va dire que end level. On va dire ici, arriver ici. Non, on va dire que arriver là. Donc on a private label end level qui donc se trouve donc on va l'appeler end level. C'est un label get node et qui se situe à ce niveau là, même à ce niveau là, qui se situe à ce niveau là. C'est peut-être pas la bonne méthode que j'emploie là, mais bon, bref. J'arrive à le faire marcher comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu casse-tête. Je suis sûr qu'il y a mieux, hein. Je suis sûr qu'on peut faire mieux. C'est un petit peu casse-tête, mais bon, voilà. Peu importe. Tac tac. Regarde juste quelque chose. Alors, mon hand level. Ok. Tac 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 tac. Donc, ouais, je récupère et en fait, on cache le texte niveau terminé. Et là, du coup, on fait. Non, déjà, je me suis planté là. C'est ça. Et là, du coup, on fait un end level. Point. Ah, hop. Oups. Alors. Il était où? Ça marche, ça? C'est une méthode, j'imagine. Donc, end level, on cache le end level. Qu'est-ce qui lui plaît pas, là? C'est ça qui lui plaît pas. Ok. Donc là, je cache mon label qui est dans mon GUI. Et attends, j'ai fait quoi là? Ouais, bon, peu importe. Ok. Donc je cache mon
Mon label qui je sais pas pourquoi je mets toute l'URL, toute la le paf parce que il est bon bref, on va faire comme ça. On va pas se poser de questions. Donc je le cache et ce que je fais c'est que une fois qu'on a fait ça, blabla, on a fait truc. Ah ouais, mais attends. Non. J'ai pas mis de collision sur le bazar. Est-ce que je serais capable? Est-ce que je peux savoir dans quelle partie alors on peut. On va le faire. Non, on va pas faire ça. On va faire. End level point show donc méthode et c'est quoi on peut mettre une pause comment on fait pour mettre une pause au jeu pause pausing game je mange des bonbons m'excuserai. Alors, posing game, C sharp, get tree, point post, égal true. Ok. Ok. Non, parce que j'aurais bien pouvoir mettre. Faudrait que je remette un timer. Avec un signal. De temps de secondes. Et une fois que le niveau est terminé, que ça relance le niveau. Non parce que mes enfants ils en ont marre d'à chaque fois de tuer le jeu et de relancer le jeu à chaque fois quoi. Après je peux mettre aussi un bouton hein, maintenant qu'est-ce qui est le plus je peux mettre un timer. Ah, dis-moi, vous l'avez déjà vu. Il est pas bien ou quoi, lui? Non. Alors, ah, ça, c'est ma position et la taille des nœuds enfants d'un conteneur sont strictement déterminés par leurs parents. Ah, ok. Donc, je fais ça. Ah, mercredi. Oh, le CTRL Z, il connaît pas, lui. Merde, j'ai fait quoi, là? J'ai fait des conneries, hein. C'est pas normal qu'il fasse ça, lui. Pourquoi il fait ça, lui? Il peut pas se rester comme un. Non, il veut pas.
Ah mais attends, il faut que je le mette sur un... Si je mets un H machin, un box... Xbox container. Et que je mette lui là. Et que lui... Et que... Attends, ça marche, tu fais ça? Oh, lui. Alors là, lui, ça... Bah, l'œuf, hein. Ah ouais, mais si je l'augmente là, sa taille à lui là. C'est là où ça part en sucette l'autre là-bas. Je sais pas pourquoi il part en sucette lui. C'est lui, je crois. Et pourquoi lui? Attends, tac, lui, on va le mettre. Hein, hook. Ah ouais, d'accord, mais non. Ben non, 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 non. Je mets entre les deux. Et si je le mets... Ah, attends. Si je mets lui là, tac, et que lui je le mets là, tac, il se passe quoi? C'est un peu de la merde ce que je fais. Et si je le change en V vertical box container machin, il se passe quoi? Il se passe rien de mieux là. Non, j'ai fait de la crotte là. Tac. Ah non, mais putain, mais j'ai fait quoi là? Excusez-moi. Mais non, ça va pas. Moi, ça ne va pas, ça. Ça va pas, ça va pas. Et ouais, je suis limité au conteneur qui est là. Et le problème, c'est comme lui. En fait, c'est lui qui me casse les coronets, ça. C'est lui qui me pose problème. Pardon, là. Notamment, alors ça c'est le number, ça c'est con, et ça c'est background. Et background, ici c'est quoi ça? C'est un margin container. Left, margin top, margin bottom. Un mode d'animation, ok, c'est quoi ça? Ok, what? Draw center. En fait, ce que je pique pas, c'est pourquoi est-ce que ce background... Alors, pourquoi ça le fait? En fait, ici... Lui, quand je redimensionne le parent, lui ne bouge pas.
Par contre, lui, lui, il casse les coronets parce que lui, il descend. Moi, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte de dissocier lui ici pour pouvoir agrandir ici mon gué et de pouvoir descendre comme il faut mon, mon end level ici, mon texte end level au milieu de la page, quoi. Mais force est de constater que ça veut pas. Et pourquoi est-ce que... Est-ce que c'est une histoire de d'ordre? Si je mets ça là. Si je descends lui. Non, c'est la même. C'est la même, donc il doit avoir un... Margin. Et là, c'est quoi? J'ai du... Ah, là, j'ai... 5-4. Ouais, je sais pas. Il y a un truc que j'ai dû rater. Et que j'ai pas... Un truc que j'ai dû rater, là. Du coup, ça me foire mon, mon background ici. Je suis pas tout à fait dans la même configuration que là et j'imagine que c'est ça qui doit foutre le brin. Maintenant, j'en suis pas sûr. Oh non, en fait, non, c'est pas. Parce qu'en fait, ici j'ai deux. Ouais, je mets de vertical parce que. Ouais, et puis ça est horizontal box. Là il met vertical, vertical box. Ouais. Donc là horizontal box parce qu'en fait j'ai la partie count ici et la partie gauche qui est ici. Ah. Téléphone. Souris, téléphone. Alors. Donc là, dans l'idée, c'est un peu logique. Parce que j'ai ma partie ici. Alors, en fait, le Hbox container, en fait, c'est pour avoir deux colonnes. Partie gauche, partie droite. Dans ces deux colonnes, on va avoir sur la partie gauche... La partie bar qui va, elle, va être orientée. Alors, c'est une vertical box, et là je comprends pas les masses. Ah oui, c'est. Donc, on va voir. Ouais, c'est un peu. Là, on est en hbox alors qu'on a des colonnes. Et là, là c'est un vertical box alors que c'est des. Bon, bref, c'est une façon de voir les choses. Parce que du coup, ici, on a une partie. Donc une partie après affichée en donc du coup c'est des colonnes encore une fois. Je regarde les dessins hein, parce que les dessins en fait sont plus représentatifs quoi, l'icône est beaucoup plus représentative que le nom du contrôleur. Donc là en fait on va avoir donc une colonne count qui correspond à ça, une colonne gauche comme je disais tout à l'heure qui correspond à ça, et là on a juste une partie ouais, en fait il aurait fallu que je passe un intermédiaire ici, il aurait peut-être fallu que je fasse un intermédiaire mais qui n'aurait pas eu de sens.
du fait qu'il y a un seul item. Il y aurait eu peu de sens. Alors, ouais, et là en fait là où je suis bloqué, c'est que bon, comme vous avez pu le constater, quand je prends lui, tac, que j'essaie de le redimensionner, blablabla, bon bah lui il part en sucette. Et je ne peux pas le bloquer à mon avis. Quoi, la taille de. D'ailleurs c'est marqué là quand j'essaie de faire ça, vous voyez, hop là, est strictement déterminée par les parents. Ce qui ne veut pas dire que je peux peut-être le bloquer. Alors ça serait la. Alors lui c'est le background. Oh, c'est lui qu'il faudrait que je. Non, c'est lui. Ça c'est quoi en fait? C'est un. Margin container. Je vais avoir des tailles là-dedans. Size. 100 sur 110. Ben voilà. Alors, grow direction end. Ça veut dire quoi ça? Alors, control the direction on the horizontal axis in which the controller should grow if its horizontal minimum size is changed. Ah, mais il n'y a pas une histoire de minimum et maximum. Ah oui, minimum. Ah bah oui, il y a le minimum. Il y a la size et minimum, il n'y a pas maximum size. Il n'y a pas un maximum size. Et si je dis begin, ça fait quoi là? Si ensuite je modifie lui. Ça fait que dalle. Ça fait que dalle. Counter grow direction. Ah mais il m'a rien changé. Attends, j'étais pas sur le bon. Begin. Ah oh, d'accord, ok. End. J'étais pas forcément peut-être sur le bon. Tac. Bon, ok. Donc j'ai minimum, j'ai pas maximum. Custom constant, non. Visibility. Bon, ça, il va falloir que je regarde un petit peu le fonctionnement. Je regarderai peut-être ce soir, du coup. Je regarderai peut-être ce soir le fonctionnement. Vertical, shrink center, horizontal, size flag. Non, j'ai pas regardé là-dedans. J'ai pas m'amusé à tout cocher, cliquer dans tous les sens. Ça va pas le faire. Ouais, ça va pas le faire. Bon, peu importe. Pour l'instant, il va être là. C'est pas bien grave. Et qu'est-ce que je disais? Que j'allais faire ici un level show. Bon, là déjà rien que ça. Est-ce que. Voilà. Est-ce que ça compile déjà? Bon, ça non. Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors, cannot. Bon, ça ok. Hein? Niveau 1, danger spike. Non, c'est pas ça qui m'inquiète. Je pense que ça va être. Système nul référence, object référence, not set. End level. Ah. Qu'est-ce qu'il a avec le end level? Qu'est-ce qui lui plaît pas?
Il y a un truc qui lui plaît pas avec mon end level. Dans mon GUI, ici, qu'est-ce qui lui plaît pas avec mon end level? End level, donc c'est un label. End level, donc c'est un label get node root. Ah, bah oui. Non, bah oui. J'ai fait mes tests là. Donc forcément, bon, ça va pas le faire. Bon. Tac. Hop, et là, bah, pour le coup, ça devrait fonctionner sans accro. Voilà. Donc, pack, je prends mon premier truc. Mon deuxième. Troisième. On voit pas le score, il y a le truc Nvidia en plein milieu. Hop. Tac. Je vais me garder l'autre pour la fin. Tac. Tac. Hop. Voilà. Mon double saut, c'est vrai qu'il marche pas quand je. Allez. Attends, tu sais pas ce que je fais trois sauts, lui. Ah, c'est pour ça que je dis que mon double saut, il va falloir que je le revoie. Là. C'est pas ce qu'on a fait de mieux. Hop. Allez. Bon, est-ce que je vais arriver à terminer? Ça va être compliqué. Alors, donc, on va vérifier ça. Ah bah tiens, voilà, là, je me suis pris un pic. Ça aussi, je pense que ce soir, si je continue, je ferai tout ce qui est... son, et puis voilà, dès que je touche un truc, là, pouf, voilà, le son, et puis peut-être que le perso soit éjecté. Maintenant, ça, je le ferai une fois que je me serai arrêté sur le type de perso. Là, pour l'instant, celui-là, je commence un peu à m'en lasser. Je le trouvais mignon au début, mais là, ça commence à me saouler un petit peu. Alors là, en toute logique, dès que je prends le truc, la porte devrait être en verte et je devrais avoir en haut, bon, mal placé et en bordel. Qu'est-ce que j'ai mis? Niveau terminé. Niveau terminé, je fais pas de pause. Tac, 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 tac. Il faudrait que je mette éventuellement un petit timer, que je fasse une pause. Oui, d'ailleurs, je peux tester de faire une pause. Je crois que c'était... il faut que je la fasse ici. Je crois que c'est... get tree. Get tree. Donc c'est un get tree. Donc c'est une méthode. Point pause. Paused. Égal true. Parce que du coup c'est un paramètre. C'est une propriété. Ok, donc tac tac tac. Si je voulais bien faire les choses, mais le problème c'est que j'ai pas avoir le temps, je continuerai ce soir. Ce que je ferai après, c'est soit on verra, parce que là du coup ça voudrait dire que je pourrais passer à un autre niveau, mais avant de passer à un autre niveau, je voudrais quand même développer les dans ce premier niveau qui sera un niveau test, développer pas mal de petites phases de jeu et de tests. Je veux pas tester des avancées en termes de dev et en termes de fonctionnalités sur Godot.
au fur et à mesure des niveaux, ça n'aurait aucun sens. Donc du coup je vais ça va être un niveau test où j'aurai un petit peu tout, là j'arrive à mettre à peu près ce que j'ai envie de mettre pour l'instant, et j'ajouterai des fonctionnalités au fur et à mesure. Donc là ce soir, si je continue là dessus ça sera du ça sera donc voir pour changer de faire des tests avec d'autres personnages. Dans le même style, je ne vais pas mettre des personnages qui n'ont rien à voir avec le style de l'environnement. À voir la fin de partie, éventuellement un petit peu améliorer la fin de partie pour qu'une fois qu'on a ramassé tous les trucs, les personnes qui testent le jeu quand je le compile sur PC ou sur le Mac, qui puissent. Qu'ils soient pas obligés de killer l'application pour pouvoir la relancer, pour pouvoir rejouer, mais qu'il puisse y avoir soit un bouton terminé, un bouton, ou alors un timer au bout de temps, hop, on relance la page d'intro. Page d'intro aussi que je modifierai un petit peu aussi, parce que, non pas que j'aime pas le rose, mais que voilà, faire quelque chose d'un peu plus adapté. Peut-être avec une capture du fond du level, du niveau. Peut-être mettre aussi en fond de niveau, faire du... comment ça s'appelle ? Faire des fonds. J'ai perdu le mot. Faire des fonds qui défilent en chinoise, je sais plus. J'ai perdu le mot, je l'utilise assez régulièrement sur WordPress pour les images, mais j'ai perdu le mot. Donc voilà, avec les fonds décalés qui bougent. Et voilà, tester peut-être d'autres petits trucs comme ça. Donc voilà, alors je vais tester juste là, avant d'arrêter le live, j'ai testé l'histoire du... l'histoire de la pause, voir comment ça se comporte, parce que j'imagine qu'il va falloir que une fois que je fais la pause, il faut que le système soit en capacité de relancer le jeu, donc il doit pas être réellement entièrement en pause, j'imagine. Donc là c'est bon, tac, hop, hop, allez, ouille, hop, ouille. Tac, 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 et là, tac, et là, effectivement, je suis en pause, je peux plus bouger, il n'y a plus rien qui bouge. Ok, niveau terminé. Bon, écoutez, moi, j'aimerais que ça soit un petit peu plus au milieu, là, niveau terminé, mais ça, on verra plus tard. Ok, bon, ben, pour cet après-midi, ça sera tout. Tout sauvegardé, pof, pof. Bon, bah écoutez, moi je. Voilà, pour ceux qui sont passés, merci pour les follow, pour ceux qui sont follow. J'ai raté un follow. Ben Semrik, merci pour le follow. Je suis désolé, j'ai pas le retour dans les oreilles. J'ai pas j'ai pas les écouteurs du coup. Et puis si je regarde pas à ce moment-là au niveau de la vidéo, quoi, du retour de mon OBS, voilà, je vois pas. Je suis désolé, j'ai zappé. Donc, merci d'être passé. Et puis ce soir on continuera un petit peu la découverte de Godot, le tout en C#. Voilà, ça se passe plutôt bien. Encore un petit peu des choses à appréhender côté des tuiles. Vous avez vu que j'ai réussi à me démerder. Il y a peut-être d'autres façons au niveau des tuiles pour changer la porte, voilà, des interactions, tout ça, etc. Les collisions, blablabla. J'essaierai aussi, il y a des portes avec des clés ou il y a même des coffres. J'essaierai du coup aussi de différencier la récolte d'une gemme et d'une clé pour pouvoir ensuite avoir une clé et pouvoir du coup avoir la possibilité d'accéder à un coffre. Bon, ben voilà. En tout cas, merci d'être passé et je vous dis ce soir ou à très très vite. Bye bye. We escape, losing all of our faith.